bonjour. Bienvenue au 3949, le service téléphonique dédié aux demandeurs d'emploi. Des données relatives à votre appel, notamment votre numéro de téléphone ou dernier service contacté, sont enregistrées par Pôle emploi afin de gagner du temps lors de votre prochain appel. Composez maintenant les deux chiffres de votre département. Attention, pour les DOM, composez le 97. Vous avez choisi le département Loire-Atlantique. Tapez 1 pour confirmer. Tapez 2. Si vous connaissez déjà le numéro du service souhaité, vous pouvez le taper dès maintenant. Pour actualiser votre situation mensuelle, tapez 1 pour obtenir des justificatifs ou modifier des informations de votre dossier. Tapez 2. Vous avez besoin d'assistance pour vous inscrire ou pour modifier votre premier rendez-vous. Tapez 3. Vous souhaitez des informations ou des conseils. Tapez 4. Pour réécouter le sommaire, tapez étoile. Une information sur votre indemnisation, tapez 1. Un conseil en formation ou recherche d'emploi. Vous êtes demandeur d'emploi. Composez les 8 chiffres de votre identifiant, sinon appuyez sur la touche étoile. Très bien, parfait, merci beaucoup, c'est parfait. Ah oui, là c'est pour monter là. Ephraim, je vérifie. Prends des mini mamies. Alors je vais prendre une blanche. Ça y est, c'est l'heure de la perte. Le 7 juillet, c'est l'anniversaire de Bérénice. Il y a 20 ans, jour pour jour, elle voyait le jour dans cet hôpital. Avec lui, ah bon? Ah bon, parce que vous êtes partis chacun dans votre... Moi je suis allé à la pharmacie. Puis après je l'ai rejoint plus tard. J'ai acheté des tongs et un portefeuille comme je t'ai dit. Ça chauffe. Ah mort. Oui, wow. Oui. Bon anniversaire Nathalie. Mais Cathy, c'est le même papier cadeau. Très original. Là-bas. Bah, en même temps, on a qu'à... Ah oui, là, d'accord.
Oui, mais c'est la même. Qui est ça? Je vois un petit personnage tout rouge. Alors, vous voulez un gros bout ou un petit bout Ah, c'est le truc de tatouage. Oui. Tatouage des débiles. C'est Pays Basque, c'est un masque. C'est pas une boîte Kuna, ça? C'est pas une boîte de ta mamie, ça? Peut-être. Tu m'as offert un truc de ta mamie. Il a trouvé ça dans le placard tout à l'heure, il s'est dit tiens. N'importe quoi. Peut-être que t'auras des bijoux pour faire un pain. Merci Arnaud. Le 7 juillet 1999, la maison n'était pas construite. Il n'y avait qu'un grand champ à la place. Cette nuit-là, en rentrant de l'hôpital, je suis venu ici. J'ai marché sur cette route. Je me souviens de la croix dans le ciel nocturne et des lumières de la ville à l'horizon.